De la houle en légère hausse et du vent qui s'est renforcé ce soir sur les canaux. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à dégager, une température extérieure à 23, une température de l'eau à 19-20. Il y a un joli partage des eaux au large, là. Je ne sais pas si vous avez vu, entre l'eau bleue et l'eau un peu plus turquoise. La marée, elle est actuellement en train d'être pleine basse quasiment, hein. Plein bas 17h40, des petits coefficients de double 4, 44. Et sur cette fin du descendant, ben, le vent est onshore ouest-nord-ouest, mais il s'est renforcé, hein. C'est pas ce que j'avais dit. Il est modéré à soutenu. 3 beaufort établis, des rafales à 4. J'ai relevé à l'anémomètre 14 km/h établis, des rafales à 22. Donc c'est un petit 4. Mais il y a quand même des moutons. Alors que les moutons, ils n'étaient pas tout à l'heure. Moutons au large, clapot au bord, face de magridé, houle qui est multiplie, qui n'est pas en amélioration du tout, qui pousse légèrement à la hausse. Une houle courte à moyenne 7 à 8 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à la hausse sur la Bouard, Cachan, Gascogne à 1,50 et 6 secondes, ce qui donne en termes de taille de vague 50 à 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur la majorité des séries, et de temps à autre 1,20 m sur les grossades. J'ai fait la tournée des spots et vous allez voir en fin de vidéo, on voit que ça commence à grossir un peu avec des grosses séries qui commencent à activer un petit peu le large. Donc des vagues la plupart du temps qui sont à 1 mètre à hauteur de poitrine, et sur les grossettes à 1,20 m à hauteur d'épaule. La barre est facile à franchir, les vagues sont pas faciles à surfer, c'est praticable pour des surfeurs intermédiaires à plus, et c'est médiocre, quoi. Ça vaut la note de 1 sur 5. Là, d'amélioration, il n'y en a pas. Sur la fin de journée, ça va s'arranger un petit peu, avec un train de houle qui va grossir et du vent qui doit se calmer, hein. Fin de journée, vent onshore faible. Train de houle à la hausse parce que la Bouard Cachan-Gascogne pousse à la hausse à 1,70 et 6 secondes. On aura le 1 m à 1,20 m beaucoup plus établi pour la fin de journée. Condition en amélioration, mais pas folle-folle. Vu le vent qu'il y a déjà là à 17h30, là, pas gagné. Pour ce qui est de demain, jeudi, c'est un train de houle qui va baisser en première partie de journée, regrossir le soir. Le même schéma de vent qu'aujourd'hui, mais moins fort. La bouée côtière de Brest a touché son pic à 1,20 m et 7 secondes. Regardez la série au large si vous la voyez. Si c'était pas trop tard, mais on va revoir une dernière séquence là. Et donc les prévisions pour demain, le jeudi 27 juillet à 9h, c'est 1 m à 1,20 m ou ouest-nord-ouest à ouest, 8 secondes de période, vent de sud-est à 1. À 13h, ça baisse à 1 m ou ouest-nord-ouest à ouest, 8 secondes de période, vent ouest-nord-ouest 1,2. Et à 17h, ça regrossit vers 1 m à 1,20 m ou ouest-nord-ouest à ouest, 8 secondes de période, vent de nord-ouest de Beaufort. Du surf et de l'action toute la journée, de meilleure qualité tôt le matin. Demain matin, le premier report, il est sur le 08 92 29 78 73 à 6h. Bonne nuit.